podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abder Iskay, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, la collection Gruner. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un collectionneur. D'un drôle de collectionneur. Je pourrais même dire d'un drôle tout court. Figurez-vous que le matin du 3 septembre 1902, j'étais passé dire bonjour à Sherlock Holmes. J'étais marié depuis plusieurs années et quand mes visites à mes malades me faisaient passer près de Baker Street, je ne manquais pas l'occasion de monter jusqu'à l'appartement que j'avais habité si longtemps avec mon vieil ami. Bonjour, bonjour, cher Watson. Bonjour, Holmes. Je ne vous dérange pas ? Non, non, vous tombez même très bien. J'attends une visite. Une nouvelle affaire, probablement. Voulez-vous écouter l'entretien que je vais avoir avec cette personne ? Et s'il s'agit d'une enquête qui vous intéresse, suivons-la ensemble comme au bon vieux temps. Ah, j'ai mes malades, Holmes, j'ai mes malades. Ne me tentez pas. Avez-vous déjà entendu parler de Sir James Dumery ? Oui, c'est un homme du monde, qui a fort bonne réputation. Il fréquente une maison amie où l'on en dit le plus grand bien. Il est, paraît-il, l'obligeance même et ne manque pas une occasion de se dévouer pour ses amis. Est-ce lui que vous attendez ? Oui. Il veut me voir pour une chose importante, à ce qu'il m'écrit. Tenez, ça doit être lui. Excusez-moi, je vais ouvrir. Monsieur Sherlock Holmes, je suppose. Oui, monsieur. Lord Dembry. Vous avez bien voulu venir jusqu'à moi. J'en suis très honoré. Veuillez entrer. Pardon. Si vous voulez bien passer dans le salon. Docteur Watson. Oui, votre honneur. Ça aurait été déçu de ne pas vous trouver ici. Le docteur Watson sans Sherlock Holmes et Sherlock Holmes sans le docteur Watson ne semble pas imaginable. Vous êtes très ami avec Lord Salisbury, je crois, docteur. Sir Edward m'honore en effet de sa bienveillance. Comment se porte-t-il ? À merveille. Pourrait-il en être autrement, puisque c'est vous qui le soignez ? Asseyez-vous, monsieur. Je vais vous laisser... Non, non, faites-moi l'amitié de rester, docteur. Je sais que vous êtes le plus intime collaborateur de Monsieur Holmes, et peut-être aura-t-il besoin de vous pour l'affaire que je suis venu lui exposer. C'est que j'ai mes malades. Lord Dumery insiste, Watson, vous auriez mauvaise grâce. Eh bien, soit. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà. Il s'agit d'annihiler un individu qui ne recule devant rien. Fût-ce la violence pour réaliser ses plans criminels. Je ne crois pas que dans toute l'Europe, il existe un être plus dangereux. J'ai eu dans ma carrière, monsieur, plusieurs adversaires dignes d'une telle présentation. Si l'homme dont vous me parlez est plus dangereux que feu le professeur Moriarty, ou que le colonel Moran actuellement au bagne, grâce à moi, parlez vite. Comment s'appelle-t-il ? Baron Gruner. Gruner ? Oui. Cet Autrichien assassin ? Décidément, monsieur Holmes, on ne peut rien vous apprendre. Vous savez déjà que ce Gruner est un assassin. C'est mon métier, monsieur, de suivre les affaires criminelles, même celles du continent. Il ne fait de doute pour aucun spécialiste que l'assassin du banquier Skoda à Prague le 8 avril dernier est le baron Gruner. Et il a fallu pour le sauver un point de droit délicat et la mort suspecte du seul témoin à charge. Je suis également persuadé qu'il a tué sa femme dans ce soi-disant accident du col de Splügen. Je savais qu'il était maintenant en Angleterre et je ne suis pas tellement surpris d'avoir à m'occuper de lui aussi rapidement, si toutefois, comme je le suppose, c'est bien cela que vous êtes venu me demander. C'est exactement cela. Qu'a-t-il fait ? Beaucoup et rien encore. Je ne comprends pas. Punir un crime est bien. Le prévenir est mieux. N'est-il pas terrible, monsieur Holmes, d'assister à la préparation d'un abominable forfait, d'être certain qu'il s'accomplira et de rester là, impuissant, sans aucun moyen d'agir ? Certes. Je crois que vous, monsieur Holmes, vous êtes le seul capable de faire échec à cette crapule. Votre confiance me flatte et m'inquiète.
Est-ce si grave et si difficile ? Oui. Figurez-vous que je porte une affection toute particulière à un vieil ami de 30 ans, le général de Merville. Le chef de la maison militaire de la Reine ? Oui, c'est un grand soldat, et maintenant qu'il est revenu des Indes, il mériterait de finir ses jours à l'abri des soucis et de vivre heureux auprès de sa fille unique. Ce qui n'est pas le cas ? Violette a 22 ans. Elle est très belle et très riche, ayant hérité de l'immense fortune de sa mère. C'est hélas en vain que son père et moi, nous essayons de la tirer des griffes du baron Gruner. Mmh. Il exerce donc une emprise sur elle. Oui, et quand cette emprise s'appelle l'amour, aucun raisonnement, aucune menace ne peuvent rien. Cet homme est exceptionnellement beau et il possède ce charme romantique qui plaît tant aux jeunes filles. Et il a d'ailleurs une solide réputation de Don Juan. Et quand il a fixé son choix, bien peu de femmes lui résistent. Les femmes, peut-être. Mais comment un tel coquin a-t-il pu seulement s'approcher d'une jeune fille aussi réservée que Mademoiselle de Merville ? Ils se sont rencontrés au cours d'une croisière en Méditerranée. Elle n'était accompagnée que de sa gouvernante. Personne naïve. Il n'a absolument rien su déceler. Et cet individu a fait tant et si bien qu'il a gagné complètement le cœur de la pauvre enfant. Elle en est obsédée. Or, lui, rien ne compte sur la terre. Et elle est décidée à l'épouser le mois prochain. On l'a mise en garde, je pense. Tout lui a été dit. Mais elle n'admet aucune critique contre ce monsieur. Lui a-t-on révélé l'affaire de Prague et la façon dont était morte sa femme ? Elle connaissait parfaitement ces deux affaires. Elle les connaissait ? Oui. C'est Gruner lui-même qui les lui a racontées, à sa manière, bien entendu. Il lui a caché aucun scandale de son passé, mais toujours de façon à se faire passer pour un martyr. Pour un innocent poursuivi par la jalousie humaine. Et elle ne demande qu'à le croire. Violette a un tempérament généreux, épris de justice et de bonté. Elle ne demande qu'à se dévouer pour les autres. Vous pensez si elle offrait un terrain propice aux calculs de Gruner qui convoite la fortune ? Ses finances sont obérées ? Oh, largement. Il dépense follement. C'est un fanatique des chevaux. Et pendant quelque temps, il a joué au polo à Erlingham. Mais l'affaire de Prague a été découverte et il a dû démissionner. Il collectionne en outre livres et tableaux. Son sens artistique est indéniable. Je crois qu'on lui reconnaît une certaine autorité en ce qui concerne les porcelaines chinoises. Il a même écrit, m'a-t-on dit, un livre sur ce sujet. Mmh. Je le vois. Un esprit complexe. La plupart des grands criminels, d'ailleurs, sont des esprits complexes. Charlie Rees, qui étrangla sa femme, était un virtuose du violon. Et Mainwaite, qui coupait ses victimes en morceaux, peignait de fort jolis paysages. Je prends volontiers cette affaire en main, monsieur. Elle m'intéresse. Ah. Il ne s'agit, somme toute, que de dissuader Mademoiselle de Merville d'épouser le baron Gruner. Oui, mais comment ? C'est parce que la tâche est difficile qu'elle me séduit. Où habite actuellement le baron ? Vernon Lodge, près de Kingston. Très belle maison. Quant à moi, vous pourrez toujours me joindre au Caltrot Club. En cas d'urgence, mon numéro de téléphone est le 2231. Quant au général de Merville et sa fille, leur adresse est 104 Berkeley Square. Je vous remercie. Au revoir, messieurs. Monsieur. Je vous conduis. Pensez-vous réussir, monsieur Holmes ? Je vous indiquerai mon sentiment d'ici 2 ou 3 jours. Merci. Alors, Holmes, vous allez voir tout de suite cette demoiselle ? Certainement pas. Si son vieux père, appuyé par Lord Demray, n'a pas réussi à la convaincre, comment, moi, un inconnu, y parviendrai-je ? Non, si tout le reste échoue, il faudra bien que je m'y décide, mais... je crois qu'il faut commencer en partant d'un angle tout à fait différent. Et là, Chinwell Johnson va sûrement m'être utile. Chinwell Johnson ? Qui est-ce ? Depuis que vous m'avez abandonné pour vous marier, mon cher, j'ai dû me résoudre à vous remplacer. Et j'ai porté mon heureux choix sur un coquin qui a déjà totalisé 9 années de prison. Dois-je me sentir flatté d'une telle succession ? Entre vous et ce garçon, Watson, aucune comparaison. Figurez-vous que ce Johnson est devenu mon agent secret au sein de la pègre londonienne, car à plusieurs titres, j'ai droit à sa reconnaissance. Vous savez que dans ce milieu, il existe aussi des lois de la chevalerie. Je ne l'ignore pas. Johnson me fournit des renseignements dont vous ne soupçonnez pas le prix. Et s'il était indicateur de Scotland Yard, il y a longtemps que ses victimes l'auraient démasqué. Mais comme il me documente sur des affaires qui n'aboutissent que rarement devant les tribunaux,
Personne ne se méfie de lui. Auréolé de ses deux condamnations, il pénètre dans tous les bouges, dans tous les tripots. Et ses dons d'observation font de lui un agent idéal. Je vais lui toucher deux mots au sujet du baron Grüner. Sherlock Holmes me fixe un rendez-vous pour le soir même chez Simpson. Et là, assis à une petite table près de la vitre, il me donna des nouvelles tout en observant les passants dans le Strand. À votre santé, Watson. À votre. Ah, mon Dieu, que cette bière est tiède. Quand nous déciderons-nous à imiter les Français qui la servent froide, glacée même? Ah, la tradition, mon cher, qu'en faites-vous? La grandeur de l'Angleterre ne devrait pas résider dans la température d'un boc. D'accord. Mais j'y vois tout de même un petit avantage. Lequel? Mais mon cher, parce que les yeux fermés, je sais toujours ce que le garçon m'apporte. Quand c'est froid, c'est du potage. Et quand c'est chaud, c'est de la bière. Alors, quoi de nouveau, Holmes? Johnson est parti en chasse. Peut-être me ramènera-t-il quelque chose d'intéressant au sujet du baron. Puisque cette jeune fille repousse toutes les accusations portées contre lui, je ne vois pas ce que pourra faire un ou deux éléments nouveaux. Qui sait? La réaction d'une femme est toujours imprévisible, Watson. N'oubliez jamais cela. Elle peut passer sur beaucoup de choses, sur un meurtre, entre parenthèses, mais par contre, jamais pardonner une offense, si minime soit-elle. Le baron Grüner lui-même m'a dit... Quoi? Vous l'avez vu? Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Vous me connaissez, Watson, j'aime affronter franchement mes adversaires. Alors, après avoir donné mes instructions à Johnson, j'ai sauté dans un cab et je me suis fait conduire chez le baron qui m'a reçu d'une façon charmante. Soyez le bienvenu, monsieur Holmes. Je vous conseille ce fauteuil, on y est admirablement bien. Merci. Cigarette? Volontiers. Je pensais bien que je finirais par faire votre connaissance un jour ou l'autre. Mais de là à penser que vous me feriez l'honneur d'une visite... Vous avez sans doute été engagé par le général de Merville afin d'empêcher mon mariage avec sa fille Violette. Exactement. Vous avez eu tort d'accepter. Vous allez compromettre votre réputation en ratant une affaire qui, je vous préviens charitablement, ne sera pas sans présenter pour vous quelques sérieux dangers. Retirez-vous, croyez-moi. Et tout de suite. C'est curieux, j'allais vous dire la même chose. Vraiment? Oui. Si vous persistez à vouloir épouser Mademoiselle de Merville, vous allez déchaîner contre vous des hostilités qui vous obligeront à quitter très vite le territoire britannique. Pardonnez mon hilarité, monsieur Holmes, mais c'est irrésistible de vous voir essayer de jouer une partie sans avoir la moindre carte dans votre jeu. Pas le plus petit atout. À ce que vous croyez. À ce que je sais. Tandis que moi, mes cartes sont si fortes que... Tenez, je les abats tout de suite. J'ai eu la chance, cher monsieur Holmes, de conquérir le cœur de Violette de Merville et vous aurez beau faire, vous n'y changerez rien. Je l'ai mise au courant des ennuis que j'avais pu avoir dans le passé et je l'ai prévenu que certains individus qui me voulaient du mal viendraient lui raconter contre moi des histoires sordides. Elle est prête à vous recevoir comme il convient. Vous avez déjà entendu parler, je pense, de la suggestion post-hypnotique. Eh bien, vous verrez comment un homme qui possède, comme moi, disons, une forte personnalité, peut hypnotiser quelqu'un sans aucune passe de charlatan. Elle est prête à m'accueillir, dites-vous? Oui. Il suffira que son père le lui demande. C'est une fille très... très docile. Je vous quitte donc tout de suite, monsieur le baron. Soit, et bonne chance, monsieur Holmes. Je vous reconduis. À propos. Quoi donc? Vous avez bien connu Lebrun, le détective français. Oui. Vous savez ce qui vient de lui arriver? Il a été rossé par quelques apaches de Montmartre, je crois. Oui. Et il demeurera infirme le reste de ses jours par ici. Pardon. Voyez-vous, par une curieuse coïncidence, la semaine précédente,
Il s'était mêlé d'une de mes affaires qui, j'estime, ne le regardait en aucune façon. Ah oui? Oui. Pensez donc de temps en temps à ce pauvre Lebrun. Conseil d'amis. Bonsoir. Alors, Holmes, qu'allez-vous faire? Comment est-ce que je vais faire? Mais je ne vais pas me laisser impressionner par des menaces. Finissez votre bière et filons à Baker Street. Johnson nous y attend sûrement et je serais bien étonné s'il n'avait pas quelques bonnes choses à nous raconter. Un colosse au visage affreusement vulgaire nous attendait en effet dans le salon. À côté de lui était assise une mince jeune femme rousse, dont le faciès fané avant l'âge disait assez l'existence dissolue. Salut messieurs, je vous présente Kitty. Mademoiselle? La môme Kitty, monsieur Holmes, elle a bien connu le baron. Alors je vous l'ai amené, qu'on cause un peu. Vous avez connu le baron Gruner, mademoiselle? Je n'ai pas toujours fait le trottoir, monsieur. Asseyez-vous. J'étais ce qu'on appelle une jeune fille de famille. Malheureusement, je n'avais plus mes parents. Ils sont morts dans un naufrage. J'avais de la fortune, oui, beaucoup d'argent. Et Gruner m'a guettée comme on guette une proie. Je suis tombée entre ses griffes. Amoureuse, quoi? Oui, amoureuse. Mais je ne savais pas pourquoi, je ne voulais pas l'épouser. Pour tout dire, il me faisait un peu peur. Pourtant, je me sentais attirée par lui irrésistiblement. Fascinée comme par un serpent? Oui, c'est le mot. Fascinée. Je n'ai pas su lui résister. Et je suis devenue sa maîtresse. Avec lui, j'ai connu le ciel et l'enfer. Et puis un jour, pour rire, il a voulu que j'essaie une pipe d'opium. Je ne me suis pas méfiée. Cela m'a plu. Et j'en ai fumé 2, 10, 100. Il avait bien combiné son coup. Le moment était arrivé où je ne pouvais plus m'en passer. Mais comme il avait des besoins d'argent, il profitait des instants où j'étais sous l'influence de la drogue pour me faire signer des chèques. C'est comme ça qu'il m'a ruiné. Un jour, je me suis herbiffée. Alors, il m'a privée d'opium. J'ai cru devenir folle. Je ne savais pas où en trouver moi-même. Et vous avez continué à lui obéir? Oui, pour avoir ma ration. Seulement, quand je n'ai plus un penet, il m'a flanqué à la porte. Sur le trottoir? Regardez-moi, messieurs. Voilà ce qu'il a fait d'Elizabeth Winter, la fille d'un des manias de la Dominion Bank. Je suis devenue Kitty pour les messieurs. Si vous voulez me montrer un exemple à une fille qui risque de tomber entre les mains de ce bandit, profitez-en. Faites vite avant que je ne crève. Accepterez-vous de venir avec moi chez cette jeune fille? Tout de suite, si vous voulez. Quant à lui, je l'étranglerai bien de mes propres mains, mais j'ai jamais pu le retrouver. Cet homme-là, c'est pire que le diable. Tenez, pour vous donner une idée. Un jour, chez lui, j'ai découvert un album fermé par une serrure, relié en cuir brun, et frappé à ses armes. Je l'ai ouvert, et ce jour-là, j'ai tout compris. J'avais affaire à un collectionneur. Un collectionneur de femmes. Et dans cet album, elles y étaient toutes. Toutes celles qu'il avait eues étaient là, étiquetées comme des papillons, avec nom, date, photo, instantané galant, et rédigé de sa plus belle écriture. Tout un luxe de détails et d'une précision. Encore aujourd'hui, je me demande comment un homme peut écrire de telles obscénités. Et l'album portait un titre, un beau titre. Les âmes que j'ai ruinées. Où rangeait-il ce livre? Vous ne connaissez pas sa maison? Je suis allé dans son salon. Ah. Vous avez donc vu entre les deux portes-fenêtres l'énorme vitrine qui contient sa collection de porcelaine chinoise? Oui. Eh bien, près de la fenêtre de gauche, il y a une porte. C'est celle de son bureau. L'album est rangé dans la bibliothèque avec des tas d'autres papiers importants. Il ne craint pas les cambrioleurs? Pour la nuit, il branche une sonnette d'alarme.
Le reste du temps, il y a toujours quelqu'un dans la maison. Je suis très content que Johnson vous ait amené ici, mademoiselle. Vous pouvez m'être très utile. Bien entendu, mon client rémunérera très largement... Je ne suis pas ici pour de l'argent, monsieur Holmes. Ma vraie récompense sera de voir le baron Gruner jeté dans la boue et de pouvoir enfin mettre le pied dessus. Holmes et Kitty Winter convinrent d'essayer de rendre visite à mademoiselle de Merville dès l'après-midi. Et quand le soir je dînais avec Sherlock Holmes dans notre restaurant du Strand, il me raconta l'entrevue. Le général n'a eu aucune difficulté à obtenir de sa fille qu'elle me reçoive. Et nous étions, Kitty Winter et moi, à 4h30 au 104 de Berkeley Square. Un maître d'hôtel nous introduisit dans un grand salon tendu de jaune. La jeune fille nous y attendait, pâle, grave, distante, aussi inflexible et froide qu'un névé sur une montagne. J'essayais de trouver les mots pour l'émouvoir. Je lui décrivis la honte, l'angoisse et le désespoir qu'elle ne tarderait pas à éprouver après son mariage, mais son regard n'exprimait aucune réaction et demeurait perdu au loin. Je pensais à ce que le baron m'avait dit à propos de son pouvoir post-hypnotique. Elle donnait l'impression de vivre dans une sorte de rêve. Et pourtant, elle me répondit avec une précision surprenante. Je vous ai écouté patiemment, monsieur Holmes. Et l'effet de vos propos est exactement celui que je vous avais prédit. Je sais que mon fiancé a traversé de nombreux orages, au cours desquels il s'est attiré des haines aussi farouches qu'injustifiées. Vous êtes le dernier venu de toute une série de calomniateurs. Il est possible que vous me vouliez du bien, quoique je sache que vous êtes un agent payé, mais qu'importe. Je veux que vous compreniez une fois pour toutes que j'aime le baron Gruner, qu'il m'aime, et que l'opinion du monde m'est totalement indifférente. Si sa noble nature a jamais eu des défaillances, peut-être lui suis-je précisément destinée afin de la relever jusqu'au niveau supérieur dont elle est digne. Ceci dit, je n'ai pas très bien saisi qui est cette dame qui vous accompagne. Je vais vous le dire, moi, qui je suis. Je suis une de ses anciennes maîtresses. Une des 100 femmes qu'il a séduites, ruinées, rejetées dans la rue, comme il le fera avec vous. Sortez ! Pas avant de vous avoir dit que vous ne m'intéressez pas, et que si je vous crie casse-cou, c'est uniquement par haine pour lui, afin que vous lui échappiez, que pour une fois, au moins, son plan échoue. Inutile de me regarder avec cet air supérieur. Peut-être qu'avant un peu, ma petite, vous pourriez vous trouver plus bas que moi. Je n'ignore pas les 3 épisodes de la vie de mon fiancé, au cours desquels il a eu affaire à des intrigantes. Et je connais son sincère repentir pour tout le mal qu'il a pu commettre. 3 épisodes. Laissez-moi rire. Mes pauvres idiotes. Monsieur Holmes, je vous serais reconnaissante de mettre un terme à cet entretien. J'ai obéi à mon père en vous recevant, mais je ne suis nullement forcée d'écouter les délires de cette personne. Ainsi se termina, mon cher Watson, cette visite qui s'avéra, comme vous le voyez, parfaitement inutile. Il faut que je trouve autre chose. Mais quoi ? Ah, achevons de dîner tranquillement. La nuit me portera peut-être conseil. 2 jours plus tard, n'ayant pas revu Sherlock Holmes, je formais le projet de pousser jusqu'à Baker Street en fin de soirée. Quand en sortant de chez un malade, les cris d'un marchand de journaux me firent dresser l'oreille. Attentat criminel contre Sherlock Holmes ! Demandez la dernière édition! Attentat criminel contre Sherlock Holmes! Demandez la dernière édition! Voilà, monsieur! Tenez, vous pouvez lire, qu'est-ce qu'il a pris ce pauvre Sherlock Holmes? Merci! Demandez la dernière édition! Attentat criminel contre Sherlock Holmes! Demandez la dernière édition! Le célèbre détective Sherlock Holmes a été victime ce matin d'une agression criminelle qui l'a laissé dans un état sur lequel il est trop tôt pour se prononcer. L'événement s'est produit vers midi dans Regent Street, près du Café Royal. 2 inconnus ont frappé gravement à la tête Sherlock Holmes, qui a dû être transporté au Charing Cross Hospital. Il a insisté pour être ramené chez lui à Baker Street. Ses agresseurs étaient correctement vêtus. Ils ont échappé à leurs poursuivants en traversant le Café Royal et en sortant par derrière dans Glasshouse Street. Ils appartiennent sans aucun doute à l'une de ces bandes qui ont eu tant d'occasions de se plaindre de l'activité par trop efficace de l'illustre policier. Oh. Hé, cocher ! ...221 Baker Street. Vite ! Allez, you ! Entrez !
Watson. Ah, comme je suis content de vous voir. Entrez donc. Mon pauvre ami, dans quel état vous voilà? Croyez peut-être que je vous joue la comédie, comme dans l'affaire du microbe de Sumatra. Oh non, et vous m'envoyez navré. Oh, ce pansement autour de la tête me fait ressembler à un gardien de sérail. C'est ridicule. Oh oui, le sang l'a déjà traversé. Attendez, je vais vous en faire un autre. Oh non, non, ne vous agitez pas. On a dû, paraît-il, me recoudre le cuir chevelu. Aïe! Attendez. Oh, ces voyous m'ont frappé avec des coups de poing américains. Naturellement, ils ont été payés par Grunner. Oh, aucun doute là-dessus. Ils avaient bien préparé leur fuite. Mais, soyez tranquille, Marie-Poste est prête. Vous n'avez pas l'intention de sortir, je pense. Non, au contraire. Je vais rester ici bien sagement, et vous, Watson, vous ne manquerez pas d'exagérer pour les journalistes la gravité de mes blessures. Forcez la dose, n'hésitez pas, laissez même supposer que j'aurai bien de la chance si je passe la semaine. Oh, vous croyez... Indispensable, Watson. Parlez de délire, d'accident cardiaque, enfin, tout ce que vous voudrez. Mais dans quel but? Je vous le dirai en temps utile. Dès ce soir, en tout cas, voyez Johnson. Je vous ai écrit son adresse sur ce papier, et qu'il mette Kitty en lieu sûr. Les bandits vont certainement vouloir la punir de s'être mêlée de cette affaire. Vous avez raison, j'y vais tout de suite. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de venir me voir chaque matin. Nous établirons un plan de campagne. Pendant 6 jours, le public demeura sous l'impression que Sherlock Holmes était à la mort. Les bulletins de santé se montraient alarmants et les journaux publiaient des articles extrêmement pessimistes. En réalité, la robuste constitution de mon ami et sa volonté de faire faisaient merveille. Et le 7e jour, je lui retirai les agrafes. Il était guéri. Je vous remercie, Watson. Alors, je vais vous demander maintenant de faire une dernière chose pour moi. Volontiers. Vous allez consacrer les prochaines 24 heures à étudier de près un sujet passionnant. Lequel? La porcelaine chinoise. Hein? Pourquoi faire? Pour pouvoir en parler agréablement avec le baron Grunner. Sherlock Holmes ne me donna pas d'autres explications. Et je ne lui en demandais point, car l'expérience m'avait appris à obéir sans discuter. J'allais à la London Library et mon ami Haymax, bibliothécaire, me conseilla plusieurs volumes consacrés à la porcelaine chinoise. Et toute la soirée et une grande partie de la nuit, je me plongeais dans l'étude des poinçons chinois, je m'initiais au mystère des dates cycliques, aux beautés du Hung Wu et du Yung Lo, et aux gloires de la période primitive du Yuan et du Song. Et le lendemain matin, ployant sous le fait de toute cette science fraîchement acquise, je me rendis chez Sherlock Holmes. Avez-vous bien appris votre leçon, Watson? Du moins, j'ai essayé. Bravo! Vous sentez-vous capable de soutenir une conversation intelligente sur ce sujet? Je crois que oui. Bon, alors passez-moi cette boîte sur la cheminée. Merci. Non, il faut la manipuler avec précaution. C'est de la vraie porcelaine coquille d'œuf de la dynastie Ming. La vue de cette tasse rendrait fou un vrai connaisseur. On n'a, paraît-il, jamais fait mieux depuis. Un service complet n'aurait pas de prix. En fait, je ne crois pas qu'il en existe un autre en dehors de celui qui se trouve au palais impérial de Pékin. Mais qu'allons-nous en faire? Approchez. Regardez le nom qui est gravé sur cette carte de visite. Docteur Hill Barton, 369 Half Moon Street. Qui est-ce? C'est vous. Hein? Comment moi? Voilà comment vous appelez désormais pour le baron Grunner. Un billet va l'avertir que vous passerez chez lui ce soir à 8h30 pour lui montrer une des pièces d'un service absolument unique de la dynastie Ming. Vous êtes collectionneur, mais n'ayant pas actuellement les disponibilités nécessaires pour acquérir ce service qu'on vous a confié, vous désirez le lui montrer et, si possible, le lui vendre à un prix intéressant. Mais quel prix? Proposez une estimation d'expert. Votre délicatesse vous empêche de fixer vous-même la somme. Ouais. Bah ouais, mais s'il ne me reçoit pas... Il vous recevra. Soyez tranquille. Et le soir même, avec la précieuse tasse dans une boîte et la carte du docteur Barton dans ma poche, je partis pour l'aventure. Pour mon aventure.
Le baron Gruner habitait une luxueuse maison au milieu d'un parc. Et un maître d'hôtel m'introduisit dans le salon du rez-de-chaussée dont les portes-fenêtres, ainsi que celles du bureau y attenant, donnaient sur une allée. Le maître de maison se tenait debout, près de la vitrine qui contenait sa collection de porcelaine chinoise. Asseyez-vous, docteur, je vous en prie. J'étais en train de contempler mes merveilles. Admirez ce petit échantillon de Tang qui date du 7e siècle. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un chef-d'œuvre plus délicat. Il est vrai. Montrez-moi vite la tasse dont vous m'avez parlé. La voici. Ravissante. Oh, ravissante. Et vous en avez un service de 6 ? Réellement ? Réellement ? C'est curieux, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne connais en Angleterre qu'un seul service d'une valeur à peu près égale. Et il n'est certainement pas à vendre. Serait-il indiscret de vous demander, docteur, comment celui-ci est entre vos mains ? L'important est que cette pièce soit authentique. Et elle l'est, n'est-ce pas ? Sans aucun doute. Mais permettez-moi d'insister, quand on traite sur des objets d'une telle valeur, on aime bien qu'aucun point de la transaction ne demeure mystérieux. Que soupçonnez-vous ? Excusez-moi, mais supposons par exemple que vous n'ayez pas le droit de vendre. Je vous remettrai une déclaration écrite. Quel crédit devrais-je accorder à cette déclaration ? Quel crédit ? Mes banquiers vous la confirmeront. Bien sûr, bien sûr. N'empêche que l'affaire n'est pas nette. Peu importe, je m'adresserai ailleurs. J'avais pensé à vous parce que vous êtes un connaisseur. Qui vous a dit que j'étais un connaisseur ? Vous avez écrit un livre sur la porcelaine d'Extrême-Orient. Vous l'avez lu ? Non. Je comprends de moins en moins. Vous êtes collectionneur et vous n'avez pas lu le seul ouvrage qui traite à fond de la porcelaine rarissime dont vous m'apportez ici un spécimen ? Je suis médecin. Ma clientèle m'absorbe beaucoup. Allons donc. Un collectionneur trouve toujours le temps de s'intéresser à ce qui touche de près ou de loin sa collection. Voyons, dans la lettre que vous m'avez envoyée, vous vous dites fin connaisseur. C'est vrai. Dans ce cas, puis-je vous demander, par exemple, ce que vous savez de l'empereur Shomu et comment vous l'associez avec le Shozo Inn, près de Nara? Cette question vous embarrasserait-elle par hasard? Et si je vous demandais de me parler de la dynastie des Veilles du Nord, pouvez-vous m'en parler? Je ne suis pas venu ici, monsieur, pour être interrogé comme un écolier. Je ne répondrai pas à des questions posées avec une telle grossièreté. Allons donc, quel jeu jouez-vous? Vous êtes venu ici pour m'espionner. C'est Sherlock Holmes qui vous envoie, n'est-ce pas? Il est mourant, alors il m'adresse ses valets. Vous êtes ici par ruse et j'aime autant vous dire que maintenant vous n'en sortirez pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça ! Un bruit dans le bureau voisin venait d'attirer son attention. Il y courut, je le suivis, le temps d'apercevoir Sherlock Holmes qui s'enfuyait par le jardin. Au voleur ! Arrêtez-le ! Halte, touche-t-il ! Gruner venait de tirer sur Sherlock Holmes qui disparut. Mais au même moment, une femme était sortie d'un massif de l'oreille. Et elle avait jeté un bol de vitriol au visage du baron qui revenait maintenant vers sa maison en hurlant de douleur. Oh, Elizabeth Winter, c'est Elizabeth Winter, de l'eau. Oh, de l'eau, par pitié, ça me brûle. Oh, c'est atroce, c'est atroce. Les yeux de Gruner étaient déjà tout blancs et vitreux. Le vitriol rongeait les chairs et s'écoulait des oreilles et du menton du pauvre diable qui continuait à hurler. Les domestiques accoururent et le maître d'hôtel alla chercher ce qui m'était nécessaire pour faire au malheureux une piqûre de morphine. Un inspecteur de police arriva et je lui tendis ma vraie carte de visite. À Scotland Yard, mon nom était presque aussi connu que celui de Sherlock Holmes. Je me fis conduire aussitôt à Baker Street où je trouvais mon ami très pâle, épuisé par cette aventure. Eh bien, Watson, tout a parfaitement réussi. Gruner a tiré sur vous, j'espère que vous n'êtes pas blessé. Non, rassurez-vous. Mais pour une première sortie, elle a été un peu agitée. Tenez, voici l'album. Ah, bravo. J'avais amené avec moi Elizabeth Winter afin qu'elle me montre à quel endroit de la bibliothèque se trouvait l'album. Nous n'avions juste que quelques minutes, notre temps étant limité par vos connaissances sur la porcelaine chinoise. Et comment aurais-je pu deviner qu'elle portait un récipient de vitriol sous son manteau ? Ah, les blessures du baron sont affreuses. Le pauvre garçon est totalement défiguré. Il n'y a plus de risque de le voir épouser la fille du général. Je ne suis pas de votre avis, Watson. Une femme comme Mademoiselle de Merville est capable de l'aimer 1000 fois plus encore sous les traits d'un martyr défiguré. Non.
Ce qu'il faut détruire à ses yeux, c'est le portrait moral qu'elle s'est forgé de l'individu. Seul, l'album y réussira. L'album y réussit, en effet. Et quelques jours plus tard, les journaux annonçaient que les fiançailles étaient rompues. Une fois de plus, Sherlock Holmes avait remporté la victoire. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre la collection Gruner. D'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle, Le client célèbre. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec, dans le rôle de Sherlock Holmes, Georges Descrières, sociétaire de la Comédie Française. Dr Watson, Pierre Détaille. Lord Emery, Marcel André. Le baron Gruner, Renaud Marie. Johnson, Jean Mauvais. Le vendeur de journaux, Jacques de Gaulle. Et Kitty, Françoise Spira, Violette de Merville, Geneviève Brunet.